De plus en plus, il y a des sociétés qui déposent leurs valises en Afrique. Des sociétés qui se sont spécialisées dans les marchés financiers. Des sociétés qui disent en fait que, voilà, donnez-nous par exemple 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions et nous, on vous reverse 50, 60, 70% par mois. Je me rappelle une fois, il y avait une de mes amies que j'ai formée en trading qui est revenue vers moi avec une fiche, un papier Word. Et sur ce papier Word, il y avait des programmes d'investissement avec des rentabilités. Et puis, elle m'a demandé, est-ce que tu connais cette société? Est-ce que tu fais dans ce type de placement? C'était au Cameroun, hein? Ou bien même c'est au Cameroun. Alors, je lui ai dit, non, je ne fais pas dans ce type de business. Et quelques temps après, il y a un étudiant en Allemagne qui m'a aussi posé la question de savoir si je connaissais ce type de placement ou bien ce type d'entreprise. Et je lui ai dit vraiment, je ne connais pas cette entreprise et je ne fais pas dans ce type de business. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques astuces, quelques clés qui vont te permettre de détecter si tu dois mettre ton argent dans ce type de business ou alors si tu dois toi-même manager ton propre capital. Tu sais, la plupart des Africains ne sont pas éduqués dans le secteur financier. Certaines personnes disent que les Africains fuient l'éducation. Certaines personnes disent que les Africains n'aiment pas s'éduquer. Bon, ce n'est pas quelque chose en fait qui fonctionne à 100%, mais la grande majorité d'Africains, suite à l'ignorance, finissent souvent par perdre de l'argent inutilement. Et je dis bien sûr inutilement. Si tu regardes sur Facebook, bien si tu es actif sur Facebook, tu vas te rendre compte que ces derniers temps, il y a une vidéo qui circulait en fait. Hein. C'est dans la ville de Douala, une entreprise qui recevait le cash des citoyens et qui prenait cet argent exactement pour investir dans les marchés financiers. Ils se sont fait passer pour des spécialistes en fait des marchés financiers. Soit c'était le Bitcoin, ou bien c'était les devises, ou bien c'était les actions, ou bien c'était les fonds, les ETF. Bref, personne ne connaît. Mais ils ont fait passer une fiche selon laquelle si tu mets par exemple chaque mois, ou bien si tu mets un capital de 1 million, 2 millions d'euros, tu auras une rentabilité de 50%. Et quand moi je regarde souvent ces rentabilités, j'ai dit waouh, que c'est tellement bien, que c'est tellement, c'est doré, c'est de la cerise en fait sur le gâteau. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais est-ce que ça peut être garanti matin, midi, soir en 2020? 2019, 2018, 2021, 2022, 2000. Est-ce que ce genre de rentabilité exorbitante peuvent être garanties sur le long terme? L'expérience nous a démontré en fait que ce type de rentabilité en fait exorbitante, garantie sur le long terme, c'est pas souvent faisable. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là en fait, du jour au lendemain, elles disparaissent. En Allemagne, il y avait une société aussi comme ça, qui est arrivé, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était Plus Token. Moi-même, j'étais à l'intérieur, mais je savais que c'était l'argent pour jouer. C'était pour jouer avec le capital. Ça veut dire quoi, premièrement? Si ce genre de société te contacte, ou bien si tu es contacté par quelqu'un qui est dans ce genre de business, la première chose que tu dois comprendre, c'est qu'avant de mettre tes 10 000, avant de mettre tes 20 000, avant de mettre tes 50 euros, avant de mettre tes 1 million d'euros, bien de francs CFA, peu importe, sache que c'est un argent qui peut disparaître du jour au lendemain parce que tu n'as pas de levier de contrôle. L'une des premières choses qui est extrêmement importante dans le monde de l'investissement, c'est qu'il faut contrôler. Si tu es un trader, si tu crées un compte chez un broker et qu'à travers ce compte, tu aimerais faire des transactions d'achat et de vente, il faut que tu contrôles. Et comment est-ce que tu contrôles? Tu contrôles à travers les transactions que tu fais. Tu fais une analyse technique, tu fais des calculs, tu connais quel est ton risk-reward, tu connais quel est ton prix d'entrée, tu connais quel est ton prix stop, tu connais quel est ton take profit. Tu contrôles tes investissements, tu connais dans quel marché est-ce que tu veux investir. Est-ce que tu veux investir dans les marchés émergents? Est-ce que tu veux investir dans les marchés un peu plus sécuritaires? Est-ce que tu veux investir dans les marchés moyens? Qu'est-ce que tu veux faire avec les 2000 euros, les 1 million de francs CFA que tu as? C'est extrêmement important. Et ce sont des questions que ces sociétés-là ne répondent pas et ne répondront jamais. Pourquoi? Parce que tu donnes l'argent et puis il y a des robots quelque part ou bien des personnes quelque part qui se disent qu'ils ont compris le marché financier et qui investissent en fait le capital pour toi. Au début, ça peut fonctionner. Ça peut même être un concept qui a été importé de la Chine, qui vient en Afrique.
s'implanter. Ça peut être un concept qui était importé des États-Unis, qui vient en Afrique s'implanter. Ça peut être un concept qui était importé dans n'importe quel pays et qui vient en Afrique s'implanter. Mais toi, en tant que citoyen, toi, en tant que celui-là qui n'a aucune connaissance dans le marché financier, toi, en tant que celui-là qui n'a aucune connaissance, il faut partager cette vidéo au maximum parce que ça fait mal de voir comment est-ce que les mamans qui vendent le beignet haricot, des mamans qui vendent du plantain, des mamans qui doivent envoyer les enfants à l'école, des mamans qui doivent faire un tas de choses, finissent par aller prendre des crédits dans les réunions de 2 millions, 3 millions, finissent par faire des trucs pour aller perdre de l'argent comme ça. Parce qu'une société leur a dit, mettez ceci et vous allez recevoir 50%. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, mes frères africains? Ça ne fonctionne pas comme ça. Investir, c'est s'éduquer. Investir, c'est s'éduquer. Mais si vous allez dans un domaine d'investissement où vous n'avez pas d'éducation, qui contrôle votre investissement? Qui contrôle votre investissement? C'est la question que moi je me pose toujours. Si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire, qui contrôle? Vous êtes en train de... C'est le risque le plus gros que vous pouvez faire dans le monde de l'investissement. C'est entrer dans un domaine que vous ne comprenez pas parce que quelqu'un vous a promis qu'il va vous donner une rentabilité bizarre. Comprenez quand même un peu ce que vous êtes en train de faire. Quand même un peu. C'est pour ça que j'ai écouté cette vidéo. C'était sur Facebook, mais ça m'a tellement fait mal parce que tu vois des mamans qui ont pris des millions à la réunion. Tu vois des jeunes filles qui ont pris des millions à la réunion, qui se sont endettés pour donner à la société. Et du jour au lendemain, la société a disparu. Et même quand on est allé faire des travaux de recherche au Cameroun, on s'est rendu compte que la société n'est pas enregistrée d'après ce que l'avocat disait dans la vidéo. La vidéo est sur Internet. Donc, avant d'investir votre argent, avant de donner votre argent dans une société, et ça c'est même valable aussi pour les Camerounais en Occident, ceux-là qui prennent 2000 euros, 3000 euros, parce qu'un ami leur a dit que non, la société, s'il va te payer comme ça, ceci, ils prennent le cash, ils partent, ils mettent là-bas. Et puis ça ne fonctionne pas. Et puis je me dis, ben, on est où là? Est-ce que tu as compris l'investissement? Est-ce que tu as compris le véhicule d'investissement? Que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit le business, c'est comme un téléphone. Si tu comprends comment un téléphone fonctionne, tu vas le manipuler. Avant, on avait des anciens téléphones qui n'avaient pas cette configuration technologique. D'accord? Mais les nouveaux téléphones sont sortis. C'était nouveau pour les êtres humains. Chacun s'est battu. Et il a fini par comprendre comment ça fonctionne. C'est la même chose pour toi. Si tu veux entrer dans l'immobilier, comprends un peu. Si tu veux entrer dans les marchés financiers, viens me voir. Je vais te former. Un an de formation. Je te donne un programme. Un an de formation. Tu te challenges. Je t'amène dans le marché. Et ainsi de suite. En fin de compte, tu vas comprendre comment est-ce qu'on fait une transaction. Tu vas comprendre des fonds, tu vas comprendre les ETF, tu vas comprendre les actions, tu vas comprendre les devises, tu vas comprendre le forex, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je te donne un système qui te permet de travailler dans tous ces marchés. Je travaille avec de nombreuses personnes et je pense que c'est ce que tu dois faire. Au lieu de prendre ton argent, aller mettre quelque part que tu ne comprends pas. Arrête de faire ce genre de conneries. Ça, tu es en train un, tu perds ton capital, deux, tu te fragilises émotionnellement. Trois, ça peut engendrer une baisse de confiance. Et quand la confiance baisse, la peur augmente, ce qui fait que la prise de risque va diminuer. Donc, tu ne dois pas prendre ton capital, le fruit de ton dur labeur, parce que tu veux jouer les petits malins, tu te dis que tu connais tout, tu mets ça quelque part. Le premier mois, ça va te donner peut-être 100 euros, tu vas te dire, oh, ça fonctionne. C'est comme ça, c'est les marchés financiers. Le deuxième mois, ça te donne peut-être 70 euros, tu dis waouh, ça c'est super. Mais après un moment donné, quand des vraies configurations technologiques, statistiques, économiques vont se présenter, ben, ça ne va pas fonctionner. Je suis passé par cette phase où on te dit, ben, je connais comment ça fonctionne, je comprends. Non, tu ne comprends rien du tout, tu es en train de jouer au hasard. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui ferme les yeux et qui dit pile ou face, tu ne comprends rien. Le trading, c'est un système. L'investissement en bourse, c'est systématique. Il y a des systèmes que si tu appliques, à tes revenus, à tes investissements, ça va te conduire automatiquement à plus d'argent. Je dis automatiquement. Je vais te prendre l'exemple des marchés émergents, des marchés financiers avec des performances de 12%, 15% par an, que je montre souvent à mes étudiants. Des marchés qui, sur les 10 dernières années, ont fait de très bonnes progressions.
Et quand même mes étudiants voient ça, ils n'arrivent pas à croire. Mais pourtant, c'est là, c'est accessible à tout le monde. Mais certaines personnes vont jouer les petits malins, aller mettre l'argent à ceux qui ne voient pas en Afrique ou même en Occident, ou bien croire à un banquier qui lui-même ne comprend pas ce que le trader qui est à la centrale est en train de faire, mais il vend un produit en fin de compte qui n'aide pas le citoyen. C'est ce que tu ne dois pas faire, mon frère. C'est ce que tu ne dois pas faire parce que tu as le cerveau que tout être humain a. Et grâce à ce cerveau, tu peux faire des choses fantastiques. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as besoin d'accompagnement, dans la barre de description, tu as mon contact, tu m'écris. En un an, je vais te permettre exactement de progresser dans ce domaine et que ce soit une réalité dans ta vie et que tu ne te fasses plus anarcher bêtement, mais que tu deviennes toi-même, sur le long terme, un banquier dans ta propre vie ou alors un meilleur conseiller financier ou alors meilleurement avisé en finance et faire des rentabilités durables. Ce n'est pas des rentabilités sur le court terme, c'est des rentabilités durables. Pourquoi? Parce que la bourse, ce n'est pas le TSC, ce n'est pas le loto, c'est la résistance. Et c'est sur cette résistance et sur cette constante-là que tu vas réellement finir à te sentir à l'aise à investir dans le monde boursier. On est ensemble. Ciao, ciao.